Oh putain, Fred, t'es là. Tu me sauves la vie. Qu'est-ce qui s'arrête? Faut que tu m'emmènes à Avignon. Quoi? Hier à la soirée, je crois que j'ai rencontré la fille la plus merveilleuse du monde. Ça, c'est quoi tes conneries? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fous là? Ah non, mais moi, c'est parce que je suis un pote de Stéphanie, en fait. Si tu pouvais te barrer, t'as tu juste... Tu me laisses finir ma partie, ok? Si on part maintenant, on y est largement pour 20h. On va vivre un grand truc de ouf. Une de nos plus belles aventures sur les deux, tu vas voir. Fasciste! Un problème, les trous du cul! Sorte de Pékin Express, mais dans la Nièvre, quoi. Ouais. Ouais. Oui, voilà. On va voir des gens formidables. Bah tiens, je te lève le pouce. T'es homosexuel? Non. Non. Putain, c'est un malade, ce mec, il va nous buter! Matt et moi, c'est pute. Paris? Nous aussi, going to Paris. Attends, mais on va pas à Paris? On s'en fout, ça, on les baisse et on verra après. On va voir des paysages fabuleux. Ah, c'est vrai. Pas de pression. Pas de pression. Ouais! On aura besoin de rien. Yeah! N'importe quoi, lui, Pékin, mes couilles. C'est ça, casse-toi! Alors, ça bronze? Ça bronze. Et vous allez où? Avignon. Quelle belle aventure! Cette fougue de la jeunesse, cette liberté. Putain, mais tu peux pas croire à une belle histoire! Juste une fois dans ta vie! T'as vraiment pas le sens du timing. Je crois qu'elle m'attend? Bien sûr qu'elle t'attend. Elle sûrement que ça a foutre. J'y vais pour lui dire que je l'aime. Oui, Dieu est amour, mais tu mets une capote.